All right, the morning show, deuxième émission, nous live. Bonjour encore une fois, messieurs, dames. Bonjour, Karel. Bonjour, Johanna. Bonjour, Alexandro. Bonjour à tout le monde qui actuellement à suivre live. Mm-hmm. Good. Bonjour, Karel. Bonjour, Dashka. Bonjour, Alexandro. C'est un plaisir pour nous la matin, hein, pour nous bien passer avec les de New York. Alexandro, mettez bon morning, morning. Morning. Morning, non, ça c'est un baile, pas un problème. Voilà, avant de commencer tout le bagage, mon gros ami qui était intervenu dans l'émission, ce sont des qui très chers à moi-même, son monde que je suis longtemps dans la radio, et nous étions dans la radio ensemble en fait. Et pendant la même période que monsieur a fait le gros lobe dans la radio, monsieur fait une bonne pause sur la radio, et then monsieur tourne sur la radio. Et là, quand il y a les Buzz Magazine, voilà, ouais, l'attendez de qui est-ce qu'on parle. On va parler de Stéphane Lacroix qui souligne. What's up, Stéphane? What's up, voilà? N'a boulé, ben, nous-mêmes. Mon cher, hier, moi j'étais contrarié en pile pour la simple et bonne raison que moi je tiens absolument à intervenir et avec problème Digicel. Je tiens à intervenir d'abord pour me souhaiter bienvenue à ta jeune équipe, l'équipe Montréa. Merci. Dashka, Johanna, Alexandro. Et puis pour me dire tout Karel, brother, compliment. Merci. Et au compte qui admiration que toujours gagne pour le travail ou après. Bien sûr. J'ai toujours dit loué fort. Et d'ailleurs, bon bah ici pour tout le monde, il m'a dit publiquement, c'est vous-même qui faites une tournée dans la radio. Oh yeah, of course. Wow. Comme si, parce que tu sais, écoute, je regarde le travail ou après, et ça just motive. Ça motive pour me tourner dans la radio. Mais bon bah, je connais Karel. Ouais, me tourner dans la radio, m'a fait cette evening, m'a fait, m'connais pas, j'aime faire morning encore. Stéphane, où c'est King Morning now, oui, brother? Où c'est King Morning now, oui? J'aime faire morning encore, brother, parce que ça, it's yours. Thank you. Ça, c'est pour vous lier. M'a connais peut-être son autre planète. M'a fait morning semaine, m'a fait même capable de dire m'a fait la Haïti, parce que, écoute, je dis à... Ou global, yes. Global, man. Yeah. So, brother, et ça me devrait dire, brother, compliment, man. Merci. À l'équipe là, ta jeune équipe. Johanna, tu m'as suivi depuis longtemps, d'ailleurs. Moi-même, je t'ai content de longtemps. Enfin, époque, pas trop longtemps. Ouais. Et sous RNH, je t'ai content d'ailleurs. Et puis, bon bagage, man, bon vibe. Et puis, mon cher, regardez, compliment, man, tout générique, yo, man. Regardez, ouais, non, là, et thème principal, là, carré. C'est la machine, là, brother. Et puis, regardez, non, si. Mais nouvelle. Mais... Merci en pile, bonheur. Ça fait un pile plaisir et justement, tu as ce que je veux. Parce que hier, on pas capable de passer pour nous faire parler ça. Absolument, man. Keep on. That's it. Thank you. Et puis, compliment pour Buzz Magazine, tout, man. Chaque semaine, ou la gomba est show dans la ville là. Merci, brother. Thank you, brother. Voilà, c'était Stéphane Lacroix et messieurs, dames, en forme. Et... Super bien, nous en forme. Alors, nous allons remercier. Merci à Stéphane Lacroix. C'est un plaisir pour nous recevoir un mot de félicitations, un mot de bienvenue. Tout. Et puis, bon, nous espérons avoir la hauteur. Et moi, remercier le tout du fait que les gens sont même que Stéphane a suivi. Je ne connais pas ça et je vraiment apprécié ça. Wow. Eh bien, c'est ça qui est intéressant dans les médias, tu vois. Ou pas, j'aime qui est-ce qui a suivi. Ou pas, j'aime qui est-ce qui a tendu ou pas, j'aime qui est-ce gardé. Et c'est pour ça, justement, que je dis, travaille bien, travaille propre, ou pas, qui côté travail ou à privé, tu vois. Et le fait que qu'on y a tout bail, record, tout bail sur Internet, you never know. C'est ça, Odo. Attention, avant de prendre le micro, attention. All right, on a l'air qu'on y a un thème Stéphane Remé, hein? C'est nouvelle, so on a une nouvelle là. C'est une nouvelle. BAM News. Qui nouvelle? Mes nouvelles. Politique. Société. Sport. Mes nouvelles. Économie. Santé. Cinéma. All right, okay guys. Ça gagne en nouvelle. Plusieurs points qui viennent vous parler jeudi. Par exemple, de bilan opération PNH dans le village de Dieu. Et puis nous venons de parler de palais de justice nous hein, qui presque pas fonctionné encore à cause d'avocats qui en grève. Et puis Digicel qui t'a rencontré gros problème technique qui te cause un pile client lio mécontent.
ça ne pas oublier tout d'un côté littérature. Moi, je ne suis pas content. Non, on pas de internet, on ne pas accès pour faire appel comme ça doit. Et tu as fait appel. Ou c'est un rare client qui va te faire problème ça. Tu as un problème. Ou voulez-vous que tu commences justement sur Digicel? On arrive sur Digicel. Ça qui passe, Digicel. Alors, Digicel lui-même, il était gagné. Donc, on coupure d'électricité tout d'un coup. Mm-hmm. Et puis, ça a une cause que il y a nos trois centres d'Atalio qui ont un problème. Mm-hmm. Ça qui fait que 30% de nos clients n'ont pas de accès à Internet, même les Ottawa activé plein. Mm-hmm. Donc, M. Martin Booth est allé dans le panel magique, il t'a expliqué la situation, il t'a fait connaître que dans moins de 24 heures, il t'a pris le lit et récompensé et même dédommagé les clients. Et il y a un monde ça autour qui dit que il t'a joint une minute. Une auditeur nous. Une auditeur nous, ma performance sous peu, qui te fait connaître que les joignent 1000 mégabytes et puis. 20 minutes. Exactement. Et ou même, ou pas gagner Digicel? Gagner Digicel, même pas utiliser plein sous Digicel. Même si c'est Internet Natcom utilisé, il faut que Digicel t'a dédommagé tout parce que je ne peux pas taper la veille parce que je gagne Digicel. Donc il faut le dédommager tout. Et où même d'achat? Ah, depuis dimanche midi, je n'ai pas internet. Monsieur. Qui l'a remonté? Hier soir. Et vous dites, où est-ce que vous avez? Ah, non, mais c'est un switch. Bon, moi, pas deux compagnies, mon seul compagnie, tout le monde comme ça. Et moi, j'ai trois numéros de téléphone, tous les trois, c'est Digicel. Et, bad internet. C'est Tatiana Berman qui t'a fait comme ça. Que l'y joue 20 minutes. Ok, compliment Tatiana, partagez avec nous. Vous voyez 2-3 minutes pour nous. Ok, mais comment 30% moun sa yo, c'est des numéros, c'est une question de zone? Non, c'est à peu près. Tu te trouvé ça bizarre. C'est mon riche à souder en 30%. Oui, mais m'te Pétionville, m'pas de gen data. Mais est-ce que comme si gen des moun dans Pétionville qui te gen data, ou bien m'pas comprendre comment ça marche? Ou pas gen détails sur ça? Non. Mais fond, t'as peut-être les. Parce que m'ta rien me connaît. L'autre dit 30% moun. C'est 30% dans la zone métropolitaine, non, mais 30% clients général. 30% clients, lio, soit 25% population. Qui voulait dire qui ça? Qui voulait dire que c'est pas seulement Port-au-Prince problème dans tes. T'as semblé parce que si c'est 25% population, bah quoi, c'est regroupé dans cette zone que tu travailles. Parce que sous doute, tu es ville, tu as un problème. Moi-même, tout, moi, j'ai un problème alors que moi, j'étais tabac. Donc, mais qui, est-ce que y a des gens qui n'ont pas de problème? Parce que moi, il y a deux, trois personnes qui te tweet qui disent pendant que tout le monde a parlé de problème, ils n'ont même pas de problème. Yes. Oui, parce ça veut dire qu'il y a une question de zone alors. Non, ça veut dire que 70% de monde n'est pas obligé dans la question de zone pour eux-mêmes. Parce que c'était Pétionville qui a un problème. Là. Parce que ça qu'on arrive que Pétionville a un problème ou bien de l'autre côté. Et, par rapport avec une nation. Justement, oui. Bon, bref, en tout cas, moi, on pile le monde plein, il y a des gens qui disent que au switch. Moi, je dis ça. Je dis que c'est un switch, tout. Voilà. Dès que vous avez un choix, dès que vous avez un choix, pas plein. Moi, même, je n'ai pas un choix, je n'ai pas plein. Enfin, je n'ai pas un choix. Je n'ai pas choisi, choisi. Donc, c'est ça. Oui, la police fait qui ça? Oui, il était fait en gros opération dans le village de Dioa. Parce que pour te parler, PNH, dans une conférence de presse qui était faite le 5 novembre, là, qui c'est hier, tu es bail bilan opération ça. Côté que tu es samedi 3 novembre, là, qui se passe à tu arrêté 80 moun, yo saisi 100 kaye, et yo te entré la kaye. Yo saisi 100 kaye? Oui. Ok, mais pour qui ça yo dit que yo pas joué un gros zam en bas? Bizarre. Et yo te arrivé la kaye. Non, si mon zam créole lui. Ou mon zam jouet, ou mon zam l'eau, n'est-ce que pas joué? Non, sauf. On dit zam péta. Mais yo joué bagaye, yo joué bagaye. Non, 100 kaye? Non, yo joué, oui. Ok, qui ça yo joué? Yo joué 3 motocyclettes tout neuf, sans plaque. La kaye Arnel Joseph. Ok. Qui c'est chef gang village de Dieu. Donc, ils jouent quand même. Ils jouent bagaille. Ils sont capables de jouer des armes, mais ils jouent. Pas d'armes à feu, à ce qu'il paraît. Et Arnel qui gagne, on prime de 2 millions de gouttes sous tête. 2 millions. Cash. Pour les gens qui t'avaient pas d'informations, pour dire qui côté lié, côté police nationale. Ordinairement, les gens qui cherchent ça aussi, au fur et à mesure que tu as passé, ils augmentent les primes. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent Captain de monter. Bien sûr. C'est tant comme l'auto. Plus mon bagage elle est plus la porter comme ça là supposé oui. Puis elle arrive 10 millions. Nous on va en prendre 10 millions. 10 millions de gourdes. OK, voilà, Lukenson tout ça dit celle balle 4 gig lui-même. 4 giga. Et ben comment ça veut dire comment mon fait jouer nos gig et puis quand l'autre monde qui joue 4 gig. Non, comment fait gang pas jouer parce ça, que jusqu'à présent quand fait qu'on n'a pas joué. Oh, j'ai vérifié. On me dit faut temporaire depuis hier, donc là maintenant. Est-ce que tu as vérifié ce matin? Est-ce que t'es fait plein tout? Est-ce qu'on t'es fait plein qui fait fais, que fais pas plein de vous nous faire d'achat. Car elle pas ville là du tout, il pas fait bouger. Quel problème qui quand même plein. Si je vois pas de faire plein, sinon pas d'activer pour faire appel. Bah, non qui ça pour l'idée de major.
Parce qu'il fait pas son journée par sur internet. Parce qu'il faut venir. Justement, voilà. Bon, on comprend ça. Ensuite, et puis pour côté littérature, nous avons Philippe Lanson qui est lauréat pour prix Femina, qui est un prix français qui est très important pour livre qui a un titre Le Flambeau. Qui est-ce qui comment on dit le gars? Philippe Lanson. Vous connaissez? Non, je ne connais pas. Qui est-ce lié? Lycée en journaliste, en écrivain. Donc, qui vit en Haïti? Non, une bague d'information. Ça, c'est journaliste écrivain Philippe Lanson. Il fait qu'on est qui recevoir prix. Comme si côté que livre Le Flambeau qui parlait en façon qui crie sous attentat Charlie Hebdo et qui racontait toute reconstruction avec blessé, il était blessé dans le visage là. Sous même prix ça autour, nous connaissons que il y a un romancier américain Alice McDenote qui lui même recevoir prix. Oh là, au nom international là autour, vous voulez moquer pas. Si ça fait passer dans la littérature. Voilà, pas de problème, madame. Donc, prix étranger pour 9e heure là. Et puis, il y a Elisabeth de Fontenay qui joint une récompense Le Féminin à tout pour essai pour livre Gaspard la nuit. Donc, c'est pour ça au moins même. Moi, t'es game pour tes That's good. Ça gagne un sport là, Alexandre. Bon, un sport, on va pas gagner. Cristiano Ronaldo a tourné dans le Real. Très bien, comme ça. L'étape plus sale, je viens de Barcelone. Très bien, comme ça. La belle d'elle. Non, on y a Osaka, à Pantry. Je dis, c'est sûr que demain, Dashka Bano, quelques informations. Elle a été invitée. Waouh! Ok. Wow. Big up. Il va inviter Karel, il va inviter. Big up. Wow. Qui a été invité? Ou même Dashka? Oh oui. Oui, elle va rencontrer Naomi. Salut, moi. Pas de danger, Karel. Pas de danger. Mais non, vous pensez ça? Non, 4 ou 6 valables pour un ou bien? Non, juste non, m'opportunité m'ouvre non 10 mois. Gardez pour vous. Gardez pour vous. Oh! Ça m'a oublié. Poursuivre avec information sportive. Parce que l'auditeur va prendre la date. Voilà, là où vient de pays. Là où vient de pays, on visite la Vinfe. Il y a un ministère sport, une jeune qui est jeunesse capable avec lui. Qui va la payer encore d'achat? Qui va y avoir un fito là? Ciné Triomphe. Voilà, le Ciné Triomphe. Il n'y a pas qu'à jouer, mais il a compté faire que le rencontrer avec des jeunes pour le conseiller ou encourager. Et il y a une fondation qui j'appelle, qui travaille dans ça. Donc, il est entré dans même cadre ça. Donc, demain, Dashka va nous plus d'informations sur ça, sur ça que tu as dit. Et puis, football amputé, car elle est c'est jeudi à l'avenir. Information. Jeudi. Parlez-moi de football. Soulier d'or là pour Redondo El Principe Richard. Et on haïtien, on est lié haïtien, c'est lui qui fait plus de goals dans la compétition. Tu fais 9 goals, ouais, ça? Yeah. Et puis, gagné basket 3x3. Classement FIBA, Haïti 109e. Haïti prend quelques classes. Il y a gagné 200. Nous sommes top 100. Non, nous sommes top 110. Waouh! Yo! Donc, pays qui est devant, c'est Porto Rico. Après, c'est la République Dominicaine. Suriname, c'est Saint-Vincent. Et puis Haïti 5e. Et dans la zone caribéenne. Mais 109e mondial. Et puis, tout le monde attend, avant Naomi Osaka, tout le monde attend le match Ligue des Champions pour gagner. C'est la 4e journée phase de groupe. Je dis à grand film match, il y a Monaco qui joue avec Club Bruges, il y a l'Étoile Rouge de Belgrade qui joue contre Liverpool, Atlético Borussia Dortmund, Tottenham PSV Eindhoven et Inter Milan Barcelone, son match que tout le monde attend. Il y a Naples qui joue contre Paris Saint-Germain, fanatique Neymar. Et puis, il y a FC Porto qui joue contre Lokomotiv de Moscou, Charles que 0-4 qui a joué contre Galatasaray. Et c'est autant de matchs qui gagnent en Ligue des Champions pour 4e journée. Et il y a une possibilité pour Messi jouer, malgré qu'il était blessé, il y a une possibilité pour le jouer contre Inter 2000. Voilà. Demain, on a nos informations sur le match qui a gagné pour suite 4e journée à demain. That's good, Dasha, ça vient pour nous là. Question de culture, nous gagnons hier. Et vidéoclip Raymond qui était sorti officiellement dans le football à 6h30. Et c'était là, présent. Et justement, oui, j'y étais. Malheureusement, il y a quelqu'un qui ne pouvait pas y être. Et nous savons Karel sur chaque sens. C'est vous qui avez animé le programme, non, by the way. Bon, en tout cas, c'est bon monde qui est en place. Et ceci te fait très bien. Donc, qui monde qui te fait vous-même? N'a poursuivi. Qu'est-ce que tu as animé soirée? C'était où? Non, c'était pas moi. Qui est-ce? Juste là, qui est-ce qui te fait le bien, Bab? Il s'appelle. Son nom m'échappe. Jean-Marie Simon? Yes, Jean-Marie Simon. Monsieur Dio, c'est lui qui était premier bail et mon interview. Ok, Jean-Marie, bravo, vous-même.
Oui, dernière musique en date li, c'est moins paré. Hier, il était by vidéo, tout le monde était là, presse, médias étaient invités. Et puis de là, étant tout, il y a une présence de quelques artistes, tant que Pascal qui était là dans son nom, des managers qui étaient présents. Et nous avons un manager Pascal et manager Raylan au sound, yes, Jimmy. Qui était là tout pour parler de processus là, comment ça a été côté vidéo à shooter, c'était en République Dominicaine, qui, bon, il n'a pas dit combien de vidéos à coûter, mais il a parlé tout de réalisation, hein. C'est Dominique Télémac qui est monté vidéo, qui réalisait vidéo à, et puis comment il a été fait tout, puis il a été joint, mesdames, yo, pour shooter vidéo à, donc c'était. Une belle vidéo, by the way. Yes. Qu'une dégâts avant de sortir. Bon, nous avons une là, hein. Avant de sortir une dégâts là. Mais c'est vraiment un très bon travail de toute l'équipe Rérimon. Hier, c'est que tout le monde est satisfait parce que immédiatement au passé, le team a des bis. Donc, c'était intéressant. Alors, nous gagnons ensuite. Vous voulez une fois de petit parti pour remettre la musique là, et pour nous, car j'ai un vibe zoulé. Ok, good. Fire up, let's go. Yes, nous disons hier tout conférence de presse, lancement festival théâtre 4 chemins. Et c'est 15e édition pour année 1. Nous avons gagné Guy Régis qui t'a bien information côté que annoncé que Beat Haïti qui c'est un groupe théâtral tout qui s'est invité d'honneur. Yes, qui s'est invité d'honneur yo année ça. Ensuite, nous gagnons jeudi en même BHDA qui a fait un partenariat avec groupe Lexor SA, justement en rapport avec la question du droit d'auteur qui intéressait pas mal de monde, surtout monde qui trouvait dans l'industrie musicale haïtienne. Côté que y a gagné plus rapport avec émission radiophonique, émission télévisée, réseau numérique, internet, téléphone mobile, endroit public, restaurant, bar, salle de spectacle. Il faut collecter justement moi-même ça. Collecter et puis assurer surveillance, moun kap tande, moun kap et partager musique, tout ça qui gagne rapport. Comme dans la conférence ça. La fête mi pas na. My machine. Ça c'est chaque phrase que libre dit ben c'est même pas une machine oui on va aller parler Karel pas plein donc non en gros c'est ça. That's c'est donc festival de théâtre 4 chemins qui lancé en hier 15e édition là, officiellement mais l'a débuté à partir du 19 novembre jusqu'au 1er décembre et nous gagne Beat Haïti comme invité d'honneur Anissa mais activité a commencé dans l'Institut français depuis hier 5 novembre là. Nous gagne tout conférence de presse qu'a fait journée jeudi en Mupana à partir de 10h AM groupe les demain là bail mon détail sur ça bien entendu et puis nous te gagne hier soir dans football et vidéoclip dernière musique en date de Ray Raymond. Ouais, lisez Ray Raymond, c'est pour qu'on y a. Il n'y a pas dit Ray Raymond. Yeah. All right. Good. Voilà, moi-même, ça me gagne pour nous comme information. Je dis, c'est mardi. Chaque mardi, nous avons soit nous faisons une démonstration de produits électroniques là, ou bien parler de technologie, ou bien bon, parler de bail qui est intéressant. En pile fois, on a toujours parlé de téléphone avec écran pliable, right? Eh bien, Samsung a sorti un concept l'année passée et un peu le monde a tant que qui le Samsung a finalement sorti. LG, beaucoup de parle, a travaillé sous des technologies d'écran pliable. Eh bien, il y a une autre compagnie qui passait devant tous deux et qui finalement est lancé pour commercialisation premier téléphone pliable dans le monde. La compagnie Relé Woloy et son compagnie qui a évolué en Asie, bien sûr, en Chine, et qui ont même présenté dans Los Angeles hier premier téléphone. Ça a qui Relé? FlexPie. Voilà. FlexPie, je vous dis. Moi, j'ai une petite vidéo là pour les gens qui ont regardé sur Facebook que je vais montrer. Yo. Et puis, bien sûr, les gens qui sont sur radio, ils ont monté sur Facebook. Et ils ont monté sur Facebook ou bien sur YouTube pour regarder. Donc, so, on nous regarde la vidéo, elle n'est pas longue du tout, qui font présentation de nouveaux équipements qui relaient FlexPie. Qui sont une sorte de mini tablette qu'on est juste capable de lier en deux et c'est vraiment intéressant. Mais bon, c'est que peut-être ça n'a pas bon l'autre tendance dans la nouvelle technologie qui pourra le sortir.
Voilà. Nous aimons les. Est-ce que c'est son bail qu'on a utilisé? Of course, yes. Li bon pour. Bon, d'ailleurs, c'est important l'expliquer. C'est genre li bon pour même qui besoin font lecture, font recherche, ou même qui besoin faire photo, même qui amuse à faire selfie. Et puis, ou qu'a plié, ou qu'a tapé, il a qui un laptop, tablette. C'est intéressant. Même parce que même trouvé le toit. Non, maman est le palou, mon nom. Li palou et li pratiquement son tablette écran, son écran 7.8 pouces que lié. Li mais qu'on y a nous vendre pour ya. Li vend à peu près $1,300 américains et pour moun qui justement a passé aux États-Unis et li en Chine li vend 9 million. Yes. Et c'est ça que lié. Il y a deux versions, conversion développeur et puis conversion pour public. Et monde qui essaye de Verge justement fait un article sur ça, essaye, il dit que lié intéressant, technologie est correct, mais me semble que système d'exploitation qui sous lié à Poco et on top, essayons un produit qui a commercialisé avant fin d'année. Mais qu'on y a, qui ça qui est intéressant là, c'est parce que nous avons dit Samsung t'a annoncé et concept pas là. Samsung a un événement demain côté que justement il a fait une conférence développeur par yo, développeur Samsung yo, et yo apparemment prévoit pour preview l'autre modèle matériel, notamment une nouvelle version de Galaxy Note 9 là, et qui y a annoncé demain. Donc bah attendre pour moi, ça va le bail. C'est tout ça que me gagner pour nous nan causer technologie et m'espérer que n'a fait comme nous compte pour l'acheter pas gagner $1,300 américains. Yes. Depuis les États-Unis. En tout cas, depuis Thomson Electronics à Von Lin, nous avons géré ça. Mais ok. Ça fait ça. Intéressant. Voilà, d'après tout dit, tout le monde, merci. Et nous avons une dernière information. Oh, une dernière information. Oui, voilà, une information importante que je voulais dire. Une information qui a pu s'intéresser, Karel Avem, et puis tout monsieur qui a écouté l'émission. C'est que Real Madrid, Pavlik, a perdu en miette dans le match encore. L'Oual Pipi, dans l'Uin Royo, il a mis l'écran qu'on y a. Chaque urinoir pendant qu'on pour pipi. Ça veut dire dans Bernabéu. Justement. Intéressant. Bon bagage. Dans San Silvio 14, ça gagne encore. Alors, bien avant, c'est vrai que nous se parlons de questions nouvelles. Mais tout à l'heure, on a parlé de questions anniversaires. Et je tiens à ce que je salue au monde qui est spécial à jeudi, c'est son anniversaire. Belzamor fête jeudi, il vient de travailler. Salut Belzamor. Non, wait. So, Belzamor fête jeudi, il vient de travailler. C'est un jour congé pour lui. Ok. En passant, qu'il est tout salué de toi et auditeur qui a fêté anniversaire jeudi à côté. Ok. Moi, j'ai Kenny Dorival qui a fêté anniversaire jeudi à gagné Recejou Bruce Lee qui a fêté, gagné Regis Paulson qui a fêté avec Wal France Cola qui a fêté anniversaire. Si vous voulez, bien sûr, que nous souhaitons joyeux anniversaire, si vous voulez que non en train de data besoin, voyez non. Avec date de naissance ou non complet, date de naissance ou dans 3910, qui c'est le numéro WhatsApp nous. Voilà, le temps pour une propose là pour nous recevoir invité nous. Okay. On y a, on a une bonne raison pour tendre radio.